Dans le cinquième épisode du Diario dell'Alta Via numéro 1 de la Vallée d'Aoste, qui se déroule au pied des grands sommets des Alpes Pennines et du Mont Blanc, nous sommes partis depuis le refuge de Cunei au pied de la Becca del Merlo. À travers le passé, un passage exposé, nous avons rejoint le col du Salvé, au-dessus de Lignan. Et après, nous nous sommes dirigés vers le col de Chalbi, un passage entre deux combes de la vallée de Saint-Barthélemy. Depuis ce col, une longue traversée nous a permis de rejoindre le bivouac Clermont et Rosaire, un abri très confortable à 2700 mètres qui peut servir comme étape pour l'Alta Via. Le petit bâtiment s'élève au pied du col Vessona, un passage entre la vallée de Saint-Barthélemy et la Valpelline, qui nous a fait admirer le mont Faroma et les dents de Vessona, des sommets ressemblant ceux des Dolomites. Du col Vessona à 2786 mètres, nous avons admiré les beaux sommets de la Haute Valpelline, à la frontière avec le Valais, et nous sommes descendus dans le vallon homonyme. Cet endroit est l'un des plus ravissants de toute la vallée d'Aoste. Et avant de rejoindre l'alpage de l'Ardamo, nous y avons rencontré un groupe de trekkers hollandais. Aucune route arrive à l'Ardamo, qui demeure un alpage très éloigné, utilisé à présent par des bergers marocains que nous n'avons pas rencontrés. Une longue descente nous a fait toucher l'alpage de l'Arpnuva et à travers le pont des gorges de la Betenda, nous avons finalement touché au but de notre journée à Closé, où se lève l'hôtel Otem, un morceau d'histoire de la Valpelline. Notre chemin s'est arrêté là. Je regarde une fois encore l'hôtel Otem, un morceau de l'histoire de la Valpelline qui devrait revivre pour nous raconter son passé, et je traverse puis le village de Closé, un hameau très bien soigné. La signalisation de l'Alta Via numéro 1 n'abandonne jamais les randonneurs. Ainsi, c'est presque impossible d'égarer le bon chemin. La Haute Valpelline offre des panoramas très variés, des sommets glaciers, on passe aux sommets rocheux, tels que ceux de la Roletta. L'histoire aussi fait partie des panoramas. La tour Tornala au-dessus d'Oyas nous fait plonger dans le Moyen-Âge. La première partie du sentier qui monte en direction du col Brezon nous permet d'admirer la moyenne Valpelline, un territoire beaucoup exploité par rapport à sa partie supérieure qui est encore très sauvage. De temps en temps, le sentier s'enfonce dans une sombre forêt qui rend plus agréable la marche quand le soleil réchauffe le versant sud de la vallée. Entre les branches des arbres, nous pouvons jeter un coup d'œil vers les cimes du versant opposé de la Valpelline qui se lève au-dessus de vallons très sauvages. Le versant dans lequel le sentier commence décidément à monter est dominé par la haute muraille de la chaîne des Morions, une barrière formidable pour protéger la Valpelline des vents froids du nord. Je monte
et mes pensées reparcourent l'itinéraire que j'ai emprunté depuis quelques jours. Je suis dans la dimension du voyage, un voyage à pied qui m'a fait traverser des vallées, connaître des personnages et réfléchir à propos du significat de ma vie même. L'Alta Via numéro 1 de la Vallée d'Aoste m'a projeté dans une dimension de rêve, car elle restera toujours imprimée dans mon cœur. L'itinéraire du Col Brezon n'est pas très connu, néanmoins chez les Vadotins, mais nous pouvons affirmer qu'il est très intéressant car il pénètre au cœur de la Valpelline et avec ses panoramas fait connaître d'une façon profonde ce territoire mystérieux. À la sortie de la forêt, le panorama prend le dessus et la Valpelline nous révèle toutes ses beautés. J'arrive à l'alpage de Suchéa, à presque 2000 mètres, désormais abandonné. C'est le destin des alpages qui ne sont pas rejoints par les routes blanches. C'est un vrai dommage, car l'endroit est magnifique. Comme toujours, la signalisation de l'Alta Via ne cesse de m'aider à rester sur le bon chemin. Ce pâturage a une orientation plein sud et il est donc très chaud. Depuis quelques années, dans cet endroit, l'eau est insuffisante car les névés qui occupaient les pentes au-dessus n'existent plus. Le bétail n'a plus la possibilité de se désaltérer et par conséquent, l'abandon de la part des paysans a été obligé. L'alpage de Brezon n'est pas loin. Il est le dernier avant du col Brezon et il est à la limite de la végétation aussi. Au-dessus de l'alpage, les pentes s'enfuient vers le rocher du Mont Berrio. La dernière partie de la montée vers le col Brezon est vraiment raide, mais le sentier reste toujours facile. Depuis, là-haut, la Valpelline est presque une maquette. Le leitmotiv de cette partie de notre itinéraire est sans doute le panorama. Un panorama grandiose qui n'est pas ordinaire à une altitude modeste telle que la nôtre. L'Alta Via numéro 1 de la Vallée d'Aoste est un balcon exceptionnel et certaines étapes, telles que celle-ci, sont spectaculaires. Dommage que ce parcours ne soit pas encore bien connu par les randonneurs qui aiment le dépaysement. Me voilà engagé dans les dernières pentes du col Brezon. Encore quelques pas et j'aurai fini de monter. Le col Brezon est conquis. Non, je ne l'ai pas conquis, car en montagne, on ne conquit rien. Nous pouvons seulement passer, car la montagne reste à elle-même. La calotte glaciaire du Mont Vélan est en face. Un panorama
nouveau matin. Maintenant, il ne me reste qu'à descendre vers Olomon, la petite capitale de la vallée homonyme, que je peux entrevoir 1000 mètres de dénivelé en bas. Cette descente est raide, peut-être la plus raide de toute l'Altavia numéro 1 de la vallée d'Aoste, mais le sentier demeure toujours facile. Le Grand Combin, l'un des géants de cette Altavia, fait finalement son apparition. Un endroit pour reposer et pour pique-niquer, mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter. L'étape est encore longue et il nous faut continuer notre descente. Le Mont Berio n'est pas connu de la part des alpinistes, mais dans la face que nous pouvons admirer, une belle voie d'escalade a été tracée par le célèbre alpiniste Ettore Castiglioni. L'alpage de Berio d'en haut est le dernier avant d'arriver à Olomon. Il est placé dans une conque solitaire et le berger est un jeune roumain qui parle désormais le patois presque comme un valdôtain et un peu d'italien aussi. Descendre, toujours descendre. Mes genoux sont désormais fatigués, mais avant d'arriver à Olomon, je dois marcher encore un peu. Olomon, un toponyme qui arrive depuis loin. Admontes était appelé autrefois, et en effet, les cimes sont juste derrière ces maisons. Ce n'est pas une ville abandonnée du Far West, mais il s'agit du village de Rey, où jusqu'aux années 50 du XXe siècle habitaient des centaines de mineurs. Terminée l'exploitation de la mine, ces maisons ont été abandonnées. Un projet pour la valorisation de cet endroit existe depuis des dizaines d'années, mais n'a jamais décollé. Olomon est un village touristique avec une offre liée à la vraie montagne. Là-haut, il n'y a pas de disco ni de centre de bien-être, mais seulement des sentiers, des refuges, des bivouacs, des cimes. Le père de la vallée est le Grand Combin, un sommet de 4317 mètres qui semble fermer la frontière avec le Valais, mais en réalité, il est entièrement en territoire suisse. Une fois qu'on a dépassé le village, le sentier de l'Altavia s'enfonce dans une sombre forêt qui prend montée en direction des hauts alpages qui sont très renommés par rapport à la production de fontina. L'Altavia et sa signalisation ne m'abandonnent jamais. Le long de ce parcours, le randonneur ne peut jamais douter d'égarer le juste chemin. Ainsi, je continue avec joie et confiance. Une fois encore, je rencontre des randonneurs, mais à l'apparence, ils sont des randonneurs de la journée, c'est-à-dire qu'ils se promènent depuis Olomon et ils feront retour à Olomon. C'est la manière de marcher des familles italiennes. Ils n'aiment pas la randonnée de traversée, donc l'aventure. Au-dessus de la forêt, le terrain s'ouvre et je débouche dans les pâturages. Ils précèdent la conque de Bie et sont vraiment magnifiques. Le mont Gelé et la longue chaîne rocheuse des Morions forment la conque de Bie,
et forme un décor formidable. Des pâturages, encore des pâturages. La vallée d'Olomont et la partie supérieure de la commune de Dour en sont riches. C'est l'époque de la floraison et les prés sont une joie aux yeux. Les belles montagnes de cette conque dominent le vert des pâturages de l'alpage de Champillon, un endroit lumineux et riant. Je suis dans le sentier qui monte vers le col de Champillon et je désire faire une halte. Mais je sais qu'un peu plus en altitude, je trouverai le refuge de Champillon et alors je continue. À proximité de l'alpage de Champillon, je peux admirer la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges. La chapelle a été érigée en position dominante, une vue magnifique vers la vallée d'Olomont. Autrefois, la Vierge devait protéger de la neige les villages de la vallée. Neige qui tombait souvent trop abondante et faisait des dommages. Aujourd'hui, la Vierge devrait être évoquée afin que la neige tombe. Le Rudebit. Il provient du glacier avec le même nom, au pied du Grand Combin. Il a été creusé au XVe siècle. De nos jours, il est encore exploité pour l'irrigation des pâturages. Une écluse ferme l'eau pour régler l'arrosage et le rue est encore parfaitement en fonction. Des vastes prairies sont interposées à des combes profondes et à des pâturages. La topographie de cette vallée réunit dans un espace restreint tous les ingrédients nécessaires pour en faire un lieu étourdissant de beauté sauvage et de paysages puissants. Le col de Champillon est dessus ma tête, je marche en direction du refuge qui, depuis quelques années, permet de faire étape le long de cette Alta Via. Il se lève, nous le verrons après, au milieu des plus beaux pâturages de cette verte vallée. Avant de rejoindre le refuge, nous rencontrons la Tsa de Champillon, un grand alpage exploité par des bergers marocains que nous n'avons eu la chance de rencontrer. Nous étions là presque à midi et c'était le moment du repos. Là-haut, les pâturages se rapprochent toujours plus au sommet. L'herbe se fond avec les rochers, le vert se fond avec le gris. Inauguré le 3 juillet 2005, le refuge est dédié à Adolfo Letey, maire de Dour et promoteur de son bâtiment. On dit qu'ici on est près du ciel. Le refuge est placé dans un endroit idéal pour se livrer à l'observation des étoiles, car il est loin des lumières de la ville d'Ost et des villages d'Olomont et de Dour même. Le refuge est fameux par rapport à son panorama aussi, grandiose et émouvant. Une fois encore, j'écris mon journal de bord, mon cahier des rêves. Jour après jour, les souvenirs sont vraiment nombreux. Au cours de l'hiver prochain, je pourrai les relire avec joie et beaucoup de nostalgie. Après une longue halte, je suis en marche, encore en marche, car l'Alta Via se fait en marchant. À côté du sentier, il y a des fleurs rouges, sombres. Il s'agit de Nigritella noire, une petite orchidée qui fleurit dans les prairies de montagne. Elle a une odeur de vanille, d'où vient son appellation d'orchivanille.
Entre les négritelles, je peux admirer d'autres fleurs, des gentianes, des pensées des Alpes, et toute la prairie est comme un bouquet. Elle est un bon repas pour les abeilles et les papillons aussi. Des belles prairies alpines, les pâturages qui montent vers le col de Champillon sont très ouverts. À peine au-dessus d'une cuvette, nous découvrons le magnifique panorama qui comprend les sommets du versant opposé de la Valpelline, mais les montagnes beaucoup plus lointaines de la Val Grisange. Le col de Champillon, nous y sommes. Ce passage nous permettra de descendre dans la vallée du Grand Saint-Bernard et de continuer notre voyage en direction du Mont Blanc. Il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode, le dernier de cette collection. Au revoir.